La loi de la constance de la vitesse de la lumière dans l'espace vide. Corroboré par le développement de l'électrodynamique et de l'optique, jointe à l'égalité de droits de tous les systèmes d'inertie, principe de la relativité restreinte. Indiscutablement dévoilée par la célèbre expérience de Michelson. Incline tout d'abord à penser que la notion de temps doit être relative puisque chaque système d'inertie doit avoir son temps particulier. Or, la progression et le développement de cette idée soulignent qu'avant la théorie, le rapport entre les expériences personnelles immédiates d'une part et les coordonnées et le temps d'autre part n'avait pas été observé par l'acuité indispensable. Bravo. Comment vous appelez-vous?
Merci. Alors le dernier, c'est parti. Le dernier, et on va goûter.